Et bah salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo sur le jeu Minecraft Education Edition, mon super accent anglais, voilà. Donc là on va tester Minecraft Education Edition. Donc apparemment c'est Minecraft pour l'école. Donc voilà, et c'est parti pour créer un monde. Bonjour. Oh, trop bien ce Minecraft, dis donc. Oh, donc là c'est bon les gars, je suis sur j'ai bien codé un peu le jeu. Enfin voilà, cette petite expression. Donc on va voir ce qui va se passer. Bienvenue dans le centre de recherche. Ici, vous apprendrez comment nous utilisons l'IA. En gros, sur ça là. Tac. Tac. Tant qu'on sait. Ah voilà, comme ça. Hop. C'est bon? Je peux aller? Robot assistant. T'es très intelligent. Donc vas-y, je vais voir. Bienvenue dans le centre de recherche. Ici, vous apprendrez comment nous utilisons l'IA et la programmation pour prévenir les incendies. Votre première tâche est d'écrire un code pour ouvrir cette porte. Appuyez sur C pour commencer à coder. Ok, d'accord. Oui, bon, j'ai pas la touche C, moi je suis sur tablette. Les gars, c'est vous savez quoi, les gars, ça m'a saoulé. Je comprends rien à ce Minecraft. Donc là, je suis en train de créer un monde, les gars. Bienvenue à l'heure de code 2022. Commençons par un court tutoriel. Tout d'abord, utilisez votre appareil pour effectuer le clic gauche ou appuyer sur la configuration qui vous convient le mieux. Ok, d'accord, je suis dans une salle. Appuyez pour commencer. Minecraft présente. Évaluation du domaine. Oh, trop bien fait. Bienvenue. Le tutoriel suivant vous apprendra les bases de l'utilisation de Minecraft. Appuyez sur « Commencer le tutoriel » pour débuter. Si vous n'avez pas besoin d'un tutoriel, appuyez sur « Passer le tutoriel » pour démarrer l'expérience. Ok, d'accord. Appuyez sur l'écran en fait glissant vers le centre, l'orbe. Quel centre, l'orbe? Ah oui. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. D'accord, appuyez sur maintenir pour avancer. Passer le mur, puisque attends, est-ce qu'on peut. Ok, d'accord. Appuyez. Ok, d'accord. Hop. Mince. Oh, les gars, vous savez quoi? Attendez. Appuyez sur le bouton. Oh, docteur Brekowski. What? Bonjour. Je suis le docteur Dodge Brekowski. Je vois que vous avez reçu mon invitation. Pensez-vous avoir ce qu'il faut pour vous échapper du manoir à l'aube et récupérer le million d'émeraudes? Excellent. Maintenant, dirigez-vous vers la porte d'entrée pour commencer votre défi. Ah bah c'est moi, il y a le mec qui me fait ma place. Wow, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'a englobé. Oh là là là, c'est très grave ça. Allez. Donc, ici, recherche dans les pièces particulières. Bon, on dirait ça. Je sais pas du tout. Ça non, pas un peu. Ok. Oh. Appuyez et maintenez sur le journal. Ok, vas-y. Vous avez trouvé un journal perdu. Arriverez-vous à retrouver les 10 pages manquantes en explorant le manoir?
utilisez les boutons précédents et suivants ci-dessous pour voir les notes que vous avez recueillies. Entrée dièse 1, le grenier. Cher journal, la semaine dernière, j'ai reçu une invitation d'une personne mystérieuse me mettant au défi de m'échapper de ce manoir. La note disait que si je m'échappais avant l'aube, je gagnerais 1 million d'émeraudes. Même si je n'avais pas besoin des émeraudes, j'ai pensé qu'un tel défi ferait une bonne vidéo pour ma chaîne. Oh, bah... Je suis arrivée ici, j'ai été engloutie par le manoir. Je sais que ça n'a pas de sens, mais c'est la vérité, je le jure. Quand je suis revenue à moi, je me suis retrouvée dans ce grenier. Il y a 3 portes verrouillées, l'une d'entre elles doit être une sortie. Je dois juste trouver comment les ouvrir. Bonjour ? Il y a quelqu'un ? Oh mon Dieu, un humain ! Vous pensez pouvoir m'aider ? Je n'arrive pas à ouvrir cette bouche d'aération. Je pense que mon code est peut-être cassé. Pourriez-vous jeter un coup d'œil et voir ce qui ne va pas ? Ouais, pas de problème, mon gars. Super. Si vous pouvez me faire sortir d'ici, je vous rendrai l'appareil et vous aiderai à vous échapper du grenier. Quel langage de programmation aimeriez-vous utiliser ? Block est le meilleur pour les débutants. Ne choisissez Python que si vous avez déjà codé dans ce langage. Ok. D'abord, vous voyez ce curseur là-bas sur le sol ? Il faut qu'il avance de 3 blocs pour atteindre la trappe, mais ça ne marche pas. Appuyez sur C pour afficher le code, puis exécutez-le pour voir ce qui ne va pas. Il y avait un chiffre aussi. Ok, bah vas-y, go. Voilà, let's go. Super. C'est ouvert. C'est étrange. Je n'arrive toujours pas à sortir. Pouvez-vous revérifier le code et vous assurer que j'avance de 2 blocs ? Merci. Vous avez corrigé mon code. Maintenant, je suis à portée pour vous ouvrir la porte verte. Le chemin derrière la porte verte est plus facile. Vous pouvez prendre ce chemin ou me parler à nouveau si vous voulez essayer d'ouvrir la porte jaune. Alors, vous voulez essayer d'ouvrir la porte jaune ? Pour ça, j'ai besoin de plus de puissance. Heureusement, je peux me recharger au clair de lune. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir la lucarne dessus. Hein ? Mon code ne fonctionne pas correctement. Essayez de vérifier mon code pour vous assurer que les 4 trappes du plafond s'ouvrent bien.